Ah mais vas-y, je veux voir leur discussion, moi. Oh. Du coup, ils m'ont refait mon équipe, ils m'ont refait mon équipe. Ils me donnent de quoi me soigner. Et tac, tac, tac. Ok, chemin de la tentation. Oh. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas de nouveau PA. Dans le DLC. Non, a priori, il n'y aura pas de DLC. Apparemment, ils ont clairement officialisé le fait que le... Et ils ont raison, pour le coup, que le jeu avait suffisamment de contenu et qu'il n'y aurait pas de DLC. Et que justement, ils gardent le gameplay de Vincent et de Sid pour le 3. Parce que justement, ce sera les nouveautés. Ça fera partie des nouveautés du 3 en termes de gameplay. Puisque s'ils mettent Vincent et Sid dans des DLC, il n'y aura plus de nouveautés en termes de perso. Donc voilà. Je sais pas ce que tu penses, mais de loin, Elena Headshank, c'est mon combat de boss préféré. Bien plus que Rude et Reno, car au moins le remake t'affronte 5 qu'on n'a jamais affronté. Bah, alors, de là à dire que c'est mon combat de boss préféré, peut-être pas. Clairement pas, même. Il est sympathique, comme tous les combats contre les Turcs. Je vais arrêter de dire les Turcs. Contre les Turcs, qui sont de base assez sympathiques. Après, j'ai pas fait tous les combats, donc le jeu est pas fini, donc... Je peux pas te dire lequel est mon préféré, mais après moi de base j'ai toujours préféré Reno et Rude plutôt que Elena et Tsang. Même si Tsang je l'aime bien, Elena j'ai toujours eu un peu de mal, donc voilà. Moi mon préféré c'est clairement Reno. Donc voilà. Alors, let's go. Y a pas un passage secret là, c'est quand même bizarrement vert. Alors faites voir, tac, et ça a l'air grand. Ok. On sait tous que ton combat préféré c'était le 3D contre l'employé Shinra, c'est ça. D'après sa structure, cet endroit est une forteresse. Il y a des traces de combat un peu partout. Qui était l'ennemi des anciens? Des créatures? Non, c'était de vulgaires humains. Ils craignaient le pouvoir des anciens. Ils en étaient envieux. C'est pourquoi ils les ont massacrés. Sephiroth. Zeke! Il ne faut pas avoir peur. Bientôt. Il va retourner à la planète. Ce n'est jamais qu'un au revoir. Bah, soigne-le, Iris. Tu me crois, comme d'habitude. De temps en temps, tu étais même gentil. Ce piédestal est une clé. Mais seuls les anciens peuvent l'utiliser. N'essaie pas de bouger. Je dois faire mon rapport. Iris, regarde ça. Non mais sérieusement, elle va pas lui lancer un sort de soin? Vraiment? Et il est déjà parti? Pour quelqu'un qui est blessé? Oh!
ou elle. Ça dit quoi ? Alors, si, scénaristiquement, elle sait lancer des sorts, à quoi d'autre ? Ô brave guerrier, désormais serein, prenez le temps de regarder en vous. Les longs sillons écarlates que vous avez tracés sauront bientôt nourrir vos âmes. N'oubliez jamais la colère qui vous a fidèlement accompagné. Faut qu'on passe par ces portes, c'est ça? Oui. Chacun de nous doit passer une épreuve. Oh. Sauf Cloud. Il a l'air exempté. Quoi? C'est pas juste! Je vais vous attendre ici. Faites vite. S'il faut vraiment qu'on y aille, perdons pas de temps. Ok. Sur ce, à tout à l'heure. Ah bah allez, let's go, hein. Salut à quoi? Alors, Tsang n'est pas mort dans l'original. Le jeu te fait croire qu'il se sacrifie justement à ce moment-là du jeu, de mémoire. Mais non, il ne meurt pas, puisque de toute façon, tu le revois dans Advent Children. Donc non, Tsang n'est pas mort. Hein. Mauvaise idée de le laisser seul. Bah ça va, ça craint rien, il n'y a personne à tuer là. Il n'y a personne à achever, pour être précis. Je me suis arrêté peu. Oh, la musique, c'est le thème d'Aeris. Subtil, en fond. Oh, c'est trop bien. S'ils ont fait ça pour chaque perso, c'est vraiment trop bien. La mise en scène, elle est folle. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce vinyle? Sujet repéré! Ce n'est pas une oh bordel! Simple illusion. Wow! Ah! Par ici! Ah là 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 là. Mais arrête de me raconter, Max! Je veux pas savoir! Attends que j'y arrive! Chacun revit des moments de son passé, j'imagine. Allez, lâche-moi! Bon, de toute façon, on sait qu'il va être capturé, hein, mais... Ah, c'est sympa d'avoir rajouté ça. Très sympa d'avoir rajouté ça. Salut Storm! Comment vas-tu?
spécimen pour mon 13e cobaye. Oui, c'est ça. À partir d'aujourd'hui, tu seras Red Sortine. Est-ce que tu es prêt? Bon, on se doutait hein, que c'était ce qui s'était passé, mais on l'avait jamais vu, et là, waouh, quand même. Hein. Mais c'est bien d'avoir mis ça, des trucs comme ça. Ah, Tifa aussi, ça va être intéressant, tiens. Mais pour tout le monde, ça va être intéressant, en fait. Hein. Et là, c'est le thème de Tifa. Ils sont trop forts pour la mise en scène. Je vais le redire 20 fois, je suis désolé, mais... Franchement, le souci du détail, c'est trop bien. Cloud ? Une fois, j'ai l'impression de vivre une expérience cinématographique. Oui, oui, non, mais clairement, clairement. Mais même pas que la vie... Ouais, de la... enfin, de la vivre, mais au sens propre du terme. Dans le sens où vraiment, tu participes au truc, quoi. C'est... Regardez, là, le thème qui a changé. On a encore une version différente de Voice Chosen by the Planet, donc de Sephiroth. Enfin... C'est vraiment un truc de malade, l'OST de ce jeu. Un truc de malade, quoi. Clairement. Ah, je suis désolé, je dis rien, hein, mais je profite du moment. Hein. Je suis comme vous, là. Je dis rien, je profite, quoi. Papa ! J'en ai assez. C'est féroce. Les soldats. Le réacteur. La Shinra. Et tout le reste. Je les déteste tous! Aerys, j'imagine que ça va être la mort de sa mère. Oh ! Est-ce que ça va être ce qui s'est passé dans le DLC de Remake ? Avec l'Underground ? Ah, j'ai l'impression que c'est ça. Quand son ami s'est fait tuer sous ses yeux... dans la... Alors, on n'était pas dans l'Underground, mais c'était avec des membres... Ouais, c'est ça, avec des membres de l'Underground.
Coucou Nightmare. Ouais, c'était ça. C'était ça, je sais plus comment il s'appelle, mais les deux personnages qu'on voit, dont un qu'on combat d'ailleurs dans le DLC de Yuffie, en fait, c'est des personnages qui apparaissent dans Dirge of Cerberus. C'est des boss dans Dirge of Cerberus. Il y en a un des deux, c'est carrément le boss final de Dirge of Cerberus. Sonon, peut-être, je sais plus. Je sais plus. Je t'avoue que j'ai plus le nom. Ah bah voilà, Sonon. Oui, Sonon, voilà, Sonon, c'était son... C'était son coéquipier. Oui, Vice, c'est le boss final. Il était dans le simulateur de... Enfin, il est dans le simulateur de Shadley de Remake, une fois qu'on a fini le DLC de Yuffie, d'ailleurs. Chef, t'as fait tout ce que t'avais à faire. On sait pas quand on pourra revenir. Et elle était insouciante, elle s'amusait, c'était sa première vraie grosse mission, enfin... Ils vont pas l'intégrer l'Underground dans le 3. Je pense que ce sera éventuellement un DLC, mais rien de plus. Ou alors ils vont refaire Dirge of Cerberus après. Bon ben voilà, vous avez la fin du DLC. Cette musique. Par contre, ouais, c'est totalement la fin du DLC, ça. Lors du retour à Midgar avec le combat contre Joe, peut-être, mais je pense pas. Je pense pas qu'ils mettront Vice et lui, parce que clairement, ça enlèverait. Enfin, en fait, ça décanoniserait Dirge of Cerberus, tu vois. Donc, je pense pas qu'ils les mettront. Je pense que là, c'était plus un clin d'œil qu'autre chose. Bon, là, je vous cache pas que Barrett, pour moi, c'est le moins intéressant. Oh là là, non, là mais là c'est là quoi là ce bordel? Calvin Chazon, il voudrait l'intégrer. Bah en vrai, ils l'ont intégré puisqu'il y a des cinématiques en fait qui sont utilisées, notamment dans les flashbacks de Rouge 13, etc. C'était déjà le cas dans Remake, qui sont des cinématiques directement reprises, c'est-à-dire pas retravaillées, carrément reprises et intégrées dans le jeu. C'est des cinématiques qui viennent d'Agent Children. Donc, par contre, peut-être qu'ils feront un DLC, un DLC sur Vincent qui ferait Dirge of Cerberus en entier. Ah, je sais pas, peut-être, mais je sais pas. Passe une bonne soirée, Barrett. Ce réacteur Mako. Je sais pas. Est-ce que ça ferait. Je parie que t'as hâte de prendre une bonne douche. Je sais pas. C'est la première fois qu'on voit la femme de Barrett. Te voilà enfin. T'en fais une tranche. Qu'est-ce qui t'arrive? Myrna. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Allez. Tu dois être fatigué. Entre.
Fiona. Myrna. 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 Tiens, vous voulez une anecdote? Il paraît que le jeu est moche, selon certaines personnes. Ça me fera toujours rire. Hein. Ah, ils vont me dire quoi? Que les cailloux au sol, là, ils sont pas très jolis? Oui, peut-être, allez, à la limite. Qu'est-ce qu'on fout, franchement? On va voir comment sa femme est morte. Putnaise! Mais qu'est-ce qu'ils ont dans les pieds, c'est les gens dans ce monde? Lui, regardez comme il plie la grille. Tifa, elle brise des crânes de dragon. Myrna. Pourquoi? Pars pas! Me laisse pas! Myrna. Non, pas, s'il te plaît. Falna. Tout ira bien, d'accord. Maman. Aerys, et si on partait à l'aventure? On va faire quoi? On va sortir d'ici. Et puis... d'aller respirer de l'air frais. Si tu respires l'air de dehors, ça va t'aider à aller mieux. T'auras plus de piqûres. Je crois, oui. Je devrais aller beaucoup mieux. Génial! Ça va pas mieux? T'as mal? Désolée. L'aventure doit s'arrêter là. Maman, attends-moi là. Je vais chercher un docteur. Pauvre Aerys, ça normalement c'est un moment qu'on voit bien plus tard dans le jeu. Oh là 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 là. Pauvre petite. Pauvre choupette.
C'est un JPEG ou c'est modélisé? Non, on dirait que c'est modélisé là. Ah, quoique. Quoique. Non, c'est un JPEG. Bon, c'est pas grave, il est joli quand même. Allez. Si on voulait un jeu en 4K avec un LOD élevé, un jeu serait qui fait plus de 150 gigas. Ouais, non, c'est sûr, mais on veut pas ça. Enfin, en vrai, le jeu en 4K, ça passe, là, hein, si tu as l'écran pour... là, moi, l'écran que j'ai, c'est un écran 4K, ça passe très bien, mais bon. Donc, c'est pas par là. Excusez-moi. Je voulais pas aider ma mère, elle est mourante. Y'a personne qui veut m'aider? L2. Ma mère est malade. Ah, oui, d'accord. Ah, bah, oui, demander de l'aide, j'avais pas vu. Pardon. Pardon, j'avais pas vu. Aidez-moi, s'il vous plaît. Oh là là. Mais qu'est-ce que tu fous ici, toi? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Vous savez où trouver un docteur? Désolée, mais je ne suis pas du coin. Je ne sais pas où il y en a dans ce quartier. Bon, d'accord. Tu ne veux pas me dire ce qui t'arrive? Ça va aller, merci. Au revoir. Ma mère m'attend. Je dois y aller. Tu es sûre? Avec la musique et la doubleuse qui joue super bien, ça me fait mal au cœur, franchement. Hein. J'en ai des frissons. Ça se voit peut-être pas, mais j'en ai des frissons. Ça me fait mal au cœur, vraiment. Oh là là. Ah ouais, j'en ai des frissons, c'est un truc de dingue. Alors après, je suis un peu plus sensible à ce genre de truc par rapport à ce qui m'est arrivé, mais... Mais waouh, c'est... Courage, j'arrive tout de suite. Ah, choupette. Je vais partir, mais je serai toujours avec toi. Maman, t'en veux pas? T'as pas le droit! Oh. On doit faire l'aventure ensemble! Madame, je peux vous aider? S'il vous plaît. Emmenez Aerys dans un lieu sûr. Oh. Allons.
Sortons-nous-en d'ici. Maman! J'ai un mauvais pressentiment. Je l'ai trouvée. Elle est là. Maman. Bah putain, bonjour l'ambiance. Tout le monde, on va tous retrouver Cloud, nous les persos, tout ça, avec le moral à zéro. Cloud, il va rien comprendre. C'est affreux. Affreux. C'est affreux ce truc. Oh là là. On va tous avoir le moral en berne là. Bordel. C'est génial comme passage, mais affreux. Affreux. Mais pas que Aerys, hein. Pas que Aerys, Yuffie, Barrett, Rouge 13, franchement, Tifa. Vous savez, la mort, en fin de compte, c'est un aspect de la vie. Même si nos corps finissent par disparaître, nos âmes continuent d'exister. Elles retournent à la planète, dans la rivière de la vie, et donnent naissance à de nouvelles vies. On est au courant, tu sais. Même si l'âme ne disparaît pas, malgré tout, perdre quelqu'un qui nous est cher, ça reste triste. C'est pourquoi il ne faut pas prendre ça à la légère. Ce serait manquer de compassion. Tous les malheurs qu'on a vécus, les injustices qu'on a subies, ce qu'on a fait, ce qu'on nous a fait, c'est inscrit dans notre passé, à tout jamais. En revanche, le futur, quant à lui, peut être changé. La tristesse et la colère, ces sentiments nous rendent plus forts. Seulement, ils nous changent aussi profondément. Pour moi, la vraie force, ce n'est pas du tout ça. À mon avis, c'est quelque chose qui est en nous. Quelque chose de doux et d'incassable. J'en suis persuadée. Ne pensons pas au passé, mais plutôt à l'avenir. Soyons unis. Ça nous rendra plus forts que Sephiroth. Beaucoup plus forts. C'est bon, t'as fini de parler ? On n'a pas le temps. Allons-y. Tu as raison. Et là, il y a personne qui lui dit rien, personne qui lui dit non mais Cloud, t'abuses un peu là, mon gars. Attendez. Putain, elle s'appelle vraiment salle de la détente. Elle s'appelle vraiment salle de la détente. C'est ça la détente ? Bordel. Ouh.
Mais elle a quand même une sacrée force de caractère, Aerys, hein, parce que être capable de te sortir ça après avoir subi, après avoir revécu la mort de sa mère, enfin c'est waouh, la détente quoi. Hein. Ok, et les portes qui sont fermées, je peux les ouvrir? Ah, je peux les ouvrir. Est-ce que ça sert à quelque chose? Ah, si, il y a des matériaux. Oh là 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 là, mais quel passage, waouh. Franchement quoi, énorme, matériel PC augmenté. Ouais, matériel PC augmenté, mais est-ce qu'il y a... Waouh, en vrai ça sert peut-être pas... PV, vie... Ouais, bah je sais pas, on verra plus tard. La détente après l'épreuve, c'est plutôt la salle des traumatismes. Ouais, non, mais c'est clair. Ouh. Non, mais par contre, c'était intense comme passage, hein. Franchement. C'était intense quoi. Et puis après Cloud derrière, bon, et ta gueule quoi, t'as fait Aerys, faut y aller là. Mais ouais, c'était vraiment intense comme passage. Hein. Là, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Ok, on va faire les trois autres de l'autre côté. Ah non, il y en a quatre. Il y en a quatre de chaque côté. Bon, on va toutes les faire. Hein. On va toutes les faire. Le pire pour moi, c'est celle de retraite avec la séquence de torture, d'expérience. Bah, elles sont toutes horribles, hein, puisque l'objectif, c'était quand même de faire revivre des moments traumatisants, difficiles pour les surmonter, en fait. L'idée, c'est ça. Et Aerys y a plutôt bien réussi, mais quand même. Hein, Aerys qui perd sa mère, Tifa qui voit son père massacré, et son village détruit... Yuffie qui, innocente, a pris ça à sa mission à la rigolade, qui n'a jamais été vraiment confrontée à la mort et aux atrocités de la guerre, qui se retrouve confrontée au sacrifice et au meurtre en fait de son ami, donc c'est pas évident, et qui se rend compte des réalités. Barrett qui perd sa femme, son village, tout ce qu'il avait, enfin c'est... Voilà quoi, hein. Surmonte ton passé, vive ton présent pour trouver ton futur. Ouais, c'est ça. La troisième partie, j'espère qu'on va éclater au jeu avec l'équipe. Enfin, sans Rouge 13 et Cloud, car c'est celui qui a causé... Oh non, moi dans la troisième... dans mon équipe, il y aura Vincent, mais il n'y aura pas Rouge 13. Bon, on verra, on va pas parler du 3. Déjà, je ne sais toujours pas comment va se terminer ce jeu. Je redoute la fin du jeu, très sincèrement, mais on verra. On parlera de tout ça en débriefing du jeu, peut-être qu'on fera un stream ou une vidéo, je sais pas. Mais on fera un petit moment débriefing, on parlera de tout ça à ce moment-là. S'ils le font aussi dégueulasse que dans l'original, ça promet. Ben, en fait, tu vois, ça c'est presque une erreur, parce qu'en fait, le faire de... Le rendre un peu monstrueux comme il l'est, comme ils l'ont fait, ça rend le fait de le battre, ça enlève quelque chose. Parce que tu as l'impression de tuer un monstre et pas de tuer Ojo, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si je suis clair, mais moi c'est un peu comme ça que je vois le truc, quoi. Ah bah non, il était pas question qu'il finisse aujourd'hui, de toute façon, hein. La galerie des effigies. J'en suis loin de la fin du temple, Alain.
Je le trouve plus répugnant dans le remake et Rebirth que dans l'original. Bah, il est extrêmement réussi, ce remake. Clairement, s'il faut prendre exemple pour faire des remakes, voilà ce qu'il faut faire. C'est extrêmement réussi. Ils ont clairement bonifié tout ce qui était dans l'original, quoi. Le temple se finira pas aujourd'hui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Perso, je prends plutôt comme son vrai visage. Oui, c'est certes, on peut voir ça comme ça, mais... Non, il n'est pas plus cruel et sadique. Il est autant cruel et sadique que dans l'original. C'est juste que là, c'est plus mis en avant parce qu'il y a le temps de le développer, en fait. Ce qui n'était pas possible dans l'original. Mais pour moi, il est pareil. Hein. Ils ont creusé les personnages, c'est ça. Ils ont développé le lore et c'est génial, quoi. J'ai sauvegardé, je sais même plus. C'est ça qui est génial. 88 heures. Ouais, on va faire les 100 heures. Hein. Pas loin, en tout cas. On sera pas loin. Hein. Imaginez quand même 88 heures de jeu, on a toujours pas fini l'histoire. C'est pas mal, hein, quand même. Hein. Bon, écoutez, je pense quand même, malgré tout, on va s'arrêter là ce soir, parce que je vois qu'il est 23h47. J'ai pas forcément envie de lancer une autre séquence, parce que si je suis pas encore vraiment à la fin du temple, déjà, à lundi, le temple se finira pas aujourd'hui, donc c'est que je pense qu'il y a encore quelques trucs à faire. Donc, je vais pas lancer une autre séquence maintenant. Du coup, on se retrouve vendredi. En vrai, je pourrais presque streamer jeudi aussi. Alors, attends. Est-ce que tu penses, Alain, que avec vendredi et samedi prochain, j'ai le temps de finir le jeu? Ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que j'ai la possibilité de finir le jeu ou pas? Parce que presque, en vrai, comme il y a le mercredi et le jeudi qui sont fériés, le pont du vendredi, tout ça, enfin bref, je pourrais presque streamer jeudi soir. Je sais pas. Bon, on verra. Écoutez, dans tous les cas, on va s'arrêter là pour ce soir. Bah écoutez, c'était franchement sympa. Hein. C'était franchement sympa. Et il va falloir attendre une semaine pour rejouer à ce jeu. Waouh, ça devrait le faire si pas de faille sur le boss final. Ok, bon bah donc dans ce cas-là, bon bah si tu me dis que ça devrait le faire, je stream pas jeudi, je fais vendredi samedi. Ok. De toute façon, comme on a un long week-end, là je serai un peu plus reposé, donc je pourrais streamer un peu plus tard, au pire s'il le faut vendredi. Ok, bon bah écoutez, on fait ça et on se dit que vendredi samedi on termine ce jeu. Voilà. Ok. Faudra inciter Pif Pouf à venir avec nous samedi soir. S'il peut, je sais pas s'il peut, on verra. Bon allez, passez une bonne soirée, merci à tous, c'était vachement bien, c'était fort en émotion, mais c'était toujours un plaisir de discuter avec vous, donc passez une bonne soirée, une bonne semaine, et rendez-vous la semaine prochaine. Allez, salut tout le monde.